Bonjour à toutes et à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est pas forcément une revue ou un test, quoique, je suis en train de vaper depuis 3 heures l'heure liquide là, franchement celui-ci me plaît donc je pense que je vais en parler dans cette vidéo, mais c'est plutôt une présentation de Illic. Illic c'est quoi? Illic ça fait très 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 longtemps qu'on les connaît dans les bases nicotinées, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, ils mentent pas, ils ont un petit bouquin comme ça, sympa, pour se présenter, que j'ai récupéré au Vapexpo. Donc comme quoi que j'ai bien fait de le prendre. Voilà, ils disent simplement que c'est le numéro un fournisseur au monde de nicotine pure. Donc autant dire que beaucoup de gens vont servir chez eux s'ils sont le premier fournisseur mondial. Ça explique un petit peu tout ce qu'ils font, mais je vais vous en parler. Alors bien sûr, il y a les brevets, comme quoi que vous êtes livré par FedEx, etc., etc., etc. Enfin voilà. Bon. Illic, ce n'est pas que des bases nicotinées comme on a eu l'habitude. Pendant des années dans le monde de Jedi, comme on les connaît bien, pour acheter ce genre de choses, ils font beaucoup de choses. Je vous conseille franchement d'aller déjà sur leur site pour plusieurs raisons. La première, c'est il y a une multitude d'arômes sur lesquels, pour si vous êtes d'ailleurs, vous allez trouver plein, plein, plein d'arômes. Si vous n'êtes pas d'ailleurs et que vous voulez simplement acheter des liquides tout faits, ils ont énormément de liquides prêts à vaper, dont celui que je vais vous mettre en test dans pas longtemps. Sinon, qu'est-ce qu'ils développent? Ils développent aussi un système d'additifs. Donc il y a du sweetener, il y a aussi, mais on va en parler tout à l'heure, un petit truc qu'ils ont sorti, une tuerie. Donc voilà l'ensemble de ce qui est Illic, c'est-à-dire grosso modo un fournisseur d'arômes, de liquides, de base, d'accessoires. Vous pouvez y trouver aussi des lunettes si vous faites des trucs à base de nicotine. Voilà, si vous voulez nettoyer vos atouts, etc. Il y a vraiment de tout. Ils vendent même du matériel pour vaper à prix plutôt cassé. D'ailleurs, on va en faire un exemple pour vous dire à peu près. Alors, je vais pas faire de comparo entre une marque et une marque. Je vais prendre une base, voilà, classique. Donc là, je prends 1 litre en 25,75 de marque française. Je vais pas donner de marque spécifique parce que j'ai pas envie de faire ça. On est à 19,95. Et sur Illic, si je prends donc 1 litre, d'accord, avec le ratio, allez, 30-70 pour s'en rapprocher, on est à 12,99$. Donc moins cher. Bon, allez, je vais en prendre même une autre plus classique. Je vais prendre une que tout le monde connaît pour se rendre compte un petit peu. Alors, je veux pas de discrimination d'une marque à une autre. On va prendre VDLV, qui est une marque très connue dans les bases. Voilà, 1 litre de VG, on est sur un site très connu en France, à 21,50 € hors frais de port, bien sûr. Et si je le prends sur le fameux site Illic, on est à 12,99 $. Autant vous dire que là, on est à 8-9 € de moins. Donc voilà. Illic, on peut dire que c'est une bonne, un bon site asiatique. Eh ben non. Parce que ils vont venir européens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'installer, et bientôt, bientôt, mais bientôt, bientôt, hein, en France. Et ça, pff, voilà. Le gros problème d'Illic qu'il y avait, version Chine, forcément, distance, frais de port. Les frais de port étaient assez forts dessus, donc on attend de Illic. Avec son installation en Europe et en France, d'avoir des frais de port bien moindres et des délais de livraison bien plus courts. Donc voilà. J'espère avoir fait une présentation assez vaste de ce qu'ils peuvent faire. Hein. Donc voilà. Au niveau, je peux vous donner à peu près, tiens, on va regarder vite fait. Là, on a parlé de base, donc on va partir sur un liquide tout fait. On va prendre par exemple une boisson. Au hasard, voilà, pour vous donner un exemple, on va prendre un, alors ils appellent ça le Ice Race Bull, voilà, donc un Red Bull, mais en version glacée, et ça on va revenir plus tard parce que je vais vous parler de l'additif. Là, ce qui est bien chez eux, c'est que vous pouvez choisir leur tout. Il n'y a vraiment pas de différence, hein. Je vais pas vous donner machin, on va rester toujours en 0, on peut le prendre en 10, on peut le prendre en 30, on peut le prendre en 50, en 60. En 100 ml, si vous voulez, mais en 250 ml, 250 ml, pour vous donner un exemple, voilà, 250 ml. Après, le summum de Illic,
c'est de pouvoir faire ça, c'est-à-dire que je le souhaite le vaper en 50-50 ou celui-ci en 80-20, donc 80 de VG et 20 de PG. Donc je vais prendre celui-ci par exemple, et on est à 18$, autant vous dire qu'on est à peine à 17€ les 250 ml de liquide. Alors certes, il faut être honnête, illiquide, ce ne sont pas des recettes extrêmement avancées. Alors faut pas que je dise des conneries. Il va pas y avoir 50 000 arômes, va pas y avoir 50 000 recettes, etc. Mais au moins, les recettes sont bien faites. On va rester dans du classique et un petit peu d'extravagance, comme là par exemple, on va avoir un Red Bull, mais ils vont glacer, etc. etc. Vous n'allez pas vous attendre à avoir 17 arômes mélangés avec des pointes, etc. Là, c'est vraiment faire du simple mais efficace. Simple mais efficace. Mais là, on est à 17 balles. 17 balles, et ben ouais, 250 ml de liquide. Bon, autant vous dire que les 10 ml, vous avez fait le calcul, ça fait à peu près. Vous divisez par 25, 17, je vous laisse compter. Voilà. Donc, présentation des liquides faite. Maintenant, j'ai reçu de leur part, parce qu'il faut que je fasse un petit peu, voilà, une présentation générale. J'ai reçu 4 liquides. Donc, j'ai reçu le berry melon. Voilà, tout simplement. Hein, je vais vous faire voir après la présentation des liquides. Le Sinful Cake. Tout simplement. Le Milk Strawberry et le Mango Sorbet. Je voulais pas forcément faire une revue, je voulais faire plutôt une présentation. Mais là, je me sens obligé de vaper ce truc-là parce que je suis tombé accro tout à l'heure. Je connais bien les mangos en ayant vapé, je sais pas, moins de 15, 16, 17 marques. Et 2-3 ressortent du lot en mangou. Donc celui-ci, franchement, est top. Alors je vous présente comment est fait leur flacon de 60 ml. Donc il se présente comme ceci. Alors vous allez me dire, ouais, le graphique, c'est un peu laboratoire, etc. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'ils l'ont même fait exprès de chercher ça. Alors mon autofocus, voilà. Donc on retrouve donc Illic. On va retrouver le nom, donc mangou sorbet. Sa contenance en 50-50, le dessous vous allez avoir la contenance du contenu, c'est-à-dire 60 ml, et je suis en 0 mg de nicotine. Donc je vous laisserai aller voir sur le site tout ce que vous pouvez faire de liquide. Sécurité enfant, P machin, TPD ready, blablabla, écrit en français, etc. Pas de souci. À l'odeur, il m'a pas perturbé. J'ai trouvé peut-être même un peu. Fade, pas fade, mais pas d'odeur particulière. On sent un peu la mangue, mais sans plus. Ce qui est intéressant pour celui-là, je fais la revue de celui-là et pas la revue des trois autres. Je vous expliquerai pourquoi après. Et ben, il est au top. Il est au top parce qu'on a une vraie mangue. On a quelque chose de très très. Alors, c'est pas extrêmement sucré, c'est juste à souhait. On a vraiment le côté juteux et en plus on a une pointe de frais juste derrière. Donc je comprends pourquoi sorbet. Comme si on, vous savez, vous avez sorti une glace de mangue et vous mangez la glace à la mangue, le sorbet. C'est pas le sorbet et la crème, c'est le sorbet de fruits. Et ben celui-ci, franchement, il est au top. En plus, comme j'étais sur du 50-50, j'ai fait un montage un petit peu bâtard. Hein, donc je suis sur un, peu importe le truc. 0,81. 11 ohms, je suis à 25 watts et franchement super super bon. Franchement super bon. J'ai vapé allez, 5 ml, 6 ml en 2 heures de temps. Il m'intéresse celui-ci. Donc je pense que ma prochaine revue, par contre, sera sur ces 4 liquides-là. Donc les 3 que j'ai eu en présentation et le mangou. Le mangou, je le ferai avec ce que maintenant je vais vous proposer de gagner. Alors, pas moi, mais Illic et Ludo. Hein, parce qu'il ne faut pas parler de Illic sans parler de Ludo maintenant en France, qui est celui qui va s'occuper de l'intégration de Illic en France.
Alors, illico en France. Illico en France. Pas cher en France. Des délais de livraison et les frais de port beaucoup moins chers qu'avant. Au top. Ça va être cool. Je pense que ça va être super cool. Donc, j'en dis pas plus parce que la prochaine revue, donc des trois liquides, avec le mangou en plus, avec une petite surprise, que je vais vous expliquer pourquoi. Dans la prochaine revue, ça sera exactement ça. Il y aura l'intégration de Illic en France. Et là, ça va être une tuerie pour ceux qui vapent en DAI et pas que. Donc, Illic, pour cette présentation, vous offre à vous, vapoteurs, pas que les pros cette fois, vapoteurs en général, Illic vous propose 65 coffrets. Alors des fois on fait des concours, tu gagnes un truc, un petit liquide, etc. Là, 65 coffrets. Donc, je vais pas vous faire languir, je vais vous faire voir ce qu'est le coffret à gagner par Illic. Merci Ludo, parce que c'est aussi grâce à toi, faut te remercier. Merci Ludo de proposer et d'avoir fait le nécessaire pour que 65 personnes touchent cette box. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette box que vous allez gagner avec un concours extrêmement simple? Il suffit d'aller sur le lien que je mettrai dans la description, qui est la page Facebook de Illiquid, enfin, hein, Illic France. Hein, donc, je vous mettrai le lien qui est géré par Brune Ludo. Donc, vous pourrez aller sur cette page Facebook, vous regarderez ce qu'il vous donne comme indication pour participer. Je vais vous donner tout de suite les dates. Les dates, c'est du 16 novembre 15h au 19 novembre minuit. Donc ça, vous serez 65 personnes à gagner enfin, de ce lot-là. Donc je rappelle, hein, du 16-11-15h au 19-11 minuit sur la page Facebook concernant Illic France. D'accord? Dans ce coffret, vous allez y retrouver donc un fascicule qui est en multilangue. Hein. Ouais, bon, je ne vais pas vous dire des langues, il y a du français. Hein, c'est ce qui intéresse. Il y a du français. Et le truc qui est sympa pour faire machin. Alors je ne vais pas vous faire voir en caméra, c'est tout petit. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à lire. Ça vous explique vraiment comment faire votre base nicotinée, comment faire votre liquide suivant le taux de PG, VG, etc. Ça vous donne vraiment toutes les informations avec des petits tableaux super simples. Donc, plutôt cool. Dans cette boîte, voilà ce que vous allez gagner. Donc, pour faire au plus simple, ici, vous avez donc 1, 2, 3, 4 arômes concentrés que vous allez gagner avec cette boîte, ainsi que 10 ml de PG 100% et 10 ml de glycérine végétale 100%. Une petite seringue pour faire vos petits mélanges, c'est plutôt cool. Vous aurez le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters de nicotine. Autant dire que vous avez l'opportunité de faire soit en zéro, soit taux nicotiné qui vous arrange le mieux, que vous souhaitez réellement, sans restriction. C'est vous qui allez créer votre propre liquide. Ou simplement, si vous vapez en zéro, d'offrir voilà, les boosters. Ou si vous vapez en 3, pourquoi pas garder quelques boosters pour faire d'autres bases. Hein. On n'est pas obligé de faire avec les 10 ml. Vous pouvez aussi faire du 50-50 tout fait et vous mettez vos arômes dedans, vous faites vos propres liquides. Ainsi que, donc, bah, c'est pas grand-chose, mais ça c'est super sympa parce que c'est non seulement, voilà, c'est à pipette, c'est en verre, c'est au brin, ça garde très longtemps vos dailles à l'intérieur. Et ça vous permet de les garder. Oui, hein. On rappelle que la lumière, c'est quand même pas top pour le die, qui est en plus gradué, donc c'est plutôt pas mal. Et après, ici, vous allez retrouver donc deux petites choses, qui est un, le sweetener. Donc le sweetener, je vais pas rentrer trop dans les détails du die. C'est quelque chose qui, grosso modo, voilà, pour ceux qui connaissent vraiment pas, va vous permettre de arrondir vos liquides et de les sucrer. Par contre, le cooling agent. Et ça, je vais en parler un petit peu quand même parce que c'est intéressant. Bien sûr, vous pouvez en acheter directement sur le site à grande quantité. Ici, c'est un sample, hein, donc il y a 3 ml. C'est juste pour se faire le test, en sachant que je crois de mémoire,
Si je dis pas de conneries, on est à 0,5 ml, non 0,05 ml la goutte. Il faut quelques gouttes à peine dans un liquide pour le refroidir. Donc voilà ce que vous allez pouvoir gagner. Donc je vais revenir sur ce fameux cooling agent quand même. Donc voilà comment vous pourrez l'acheter hein, sur le site. Donc ça fait la grosse fiole. C'est ni plus ni moins qu'un remplacement de Coolada, de Cyberfresh, etc. C'est vraiment un truc qui leur appartient à eux, qui est breveté chez eux. Moi, je l'ai goûté au Vapexpo, j'ai eu de la chance. C'est franchement un truc radical. Ça vous donne un côté glacé, un max, sans dénaturer les goûts, etc. etc. Ça, c'est franchement le top. Pourquoi j'en parle? Parce que des fois, je peux recevoir ou je peux acheter des liquides et on se doit d'acheter, comme de recevoir pour nous... entre guillemets reviewer, mais ça m'arrive d'en acheter beaucoup plus que j'en reçois. Des fois à la langue ça me lasse et ça permet simplement, voilà, je vais dire une connerie, je vape une fraise et à un moment donné j'en ai marre, en mettant quelques gouttes de ce petit additif là, pouf, nouveau liquide. Ça c'est le top. Ça dénature rien du tout, pas de goût de menthe, pas de goût de coulada, pas de grattage à la gorge, juste du glaçage. Ça c'est franchement le top. Voilà pourquoi j'en parle, parce que dans la prochaine revue, ce que je ferai, c'est que en fait les trois liquides que j'ai pas goûté, je les goûterai, je les testerai, je ferai mon retour, ça fera l'acte promotionnel de Made in France illiquide. Et oui, illiquide va être en France bientôt. Ça, c'est le top. Je le mettrai dans ça, parce que ça, franchement, il est au top. Il manque juste une pointe de frais plus fort. Donc je vais me faire ma propre recette. Voilà. Je vais faire ma propre recette avec ce petit truc-là. Dans ça et je ferai mon retour après. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'est H Liquide. N'oubliez pas, allez faire un tour sur leur site, inscrivez-vous, faites le concours hein. Je rappelle, 65 mallettes, c'est pas tous les jours qu'on reçoit voilà ce type de cadeau, surtout pour des pros, parce que à l'origine c'est quand même, c'est même marqué dessus. C'est pour les shops. Là, voilà. On va dire que grâce à Ludo et surtout grâce à Illiquid, hein, enfin Illic, qui vous offre une box, enfin une box, on va dire un set complet de die pour 65 personnes et pour une fois pour des gens, tout le monde, pro, pas pro, vapoteur. D'ailleurs, pas d'ailleurs, c'est pour tout le monde, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Franchement, pour une fois qu'on a une marque qui fait ce genre de cadeau, il ne faut pas hésiter, surtout que là, ça ne sera pas je like mes amis pendant des heures. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, hormis que franchement, mon goût est bon. Comme d'habitude, hein, c'est one shot, j'ai pas de coupure de montage, de machin, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le coup. Peut-être attendez ma prochaine revue, parce qu'il y aura peut-être une belle surprise si vous les commandez chez eux. Allez faire un tour, faites comme avec les soldes. Vous mettez dans le panier, vous attendez un petit peu, je vais vous donner quelque chose dans pas longtemps, je pense, qui vous fera très plaisir. Sur ce, comme d'hab, une petite barre et je me barre.